vous. Bonjour avec Alain. Allô Alain. Ça va bien? Oui. Merci d'être là. Yes. Enfin, assis sur la chaise. Je suis là, my God. Et 9 500 $, c'est le montant à dépasser. Excellent. Voilà. Bonne chance, Alain. Merci. Catégorie insectes. Excellent, c'est... Faites pas semblant d'être content, c'est pas grave. OK, c'est pas grave. Lequel n'est pas un insecte? Ver de terre, papillon. Papillon. Papillon? En fait, le papillon est un insecte parce qu'il a 6 pattes. Le ver de terre n'en est pas un. Ah, c'est ça. C'est pas grave, il en reste 3. Oui. Tout est possible, Alain. Deuxième question maintenant. Quel insecte peut transmettre la malaria? Fourmi rouge, moustique? Je dirais avec moustique. Moustique, c'est une bonne réponse. Bravo. Troisième question maintenant. Quel insecte porte également le sobriquet de bête à bon Dieu? Coccinelle ou mouche? Ah, ça, j'ai déjà entendu ça. Il me semble que c'est coccinelle. Ouais. Ceux qui ont des problèmes de coccinelle trouvent moins que c'est des bêtes à bon Dieu, mais effectivement, quand il y en a juste une, inquiète. Bête à bon Dieu, coccinelle, c'est la bonne réponse. Bravo. Il manque juste une, Alain. Parfait. Les moustiques sont attirés par les vêtements pâles ou foncés? Ça, j'ai déjà entendu ça. Les moustiques sont attirés par les vêtements foncés. Chance qu'il n'y ait pas de moustiques en studio, vous seriez dans le trouble. Ouais, vêtements foncés, c'est la bonne réponse. J'avais eu, Alain, bravo! Yes! Alain, on regarde au tableau. 9 500 $, c'est ce qu'il faut dépasser. Avec le 10 000, ça se ferait d'un seul coup. Qui sait? La chaise sera peut-être la vôtre dans quelques instants. Mais tu sais, quand Mélanie, quand j'ai dit la chaise sera peut-être la vôtre, faut pas le prendre personnel. Ouais, pour vous. Moi, je vous souhaite de rester là, mais je vous souhaite de la... J'aimerais ça qu'il y ait des chaises pour tout le monde, mais c'est pas ça, je vous comprenez. Je comprends. M'en voulez pas? Non. OK, super. Elle veut pas. 1 500 $, Alain! Excellent, ça! C'est très bon, ouais. C'est parfait! On continue avec une prochaine manche, on n'a pas le choix, faut dépasser les 9 500. Pas le choix. Prochaine catégorie maintenant, triangle. Êtes-vous bon d'un triangle? Des triangles, je suis excellent. Je connais ça. Je sais que vous aimez beaucoup Céline aussi. Oui. Vous espériez une catégorie Céline. J'aurais espéré, oui. Ben, pas pour l'instant, du moins. On y va avec un triangle. Quoi qu'il y ait peut-être un joueur de triangle avec Céline. Attends. Quel État américain compose la pointe ouest du triangle des Bermudes? Floride, Texas. Moi, je pense que ce serait la Floride. Porto Rico au sud, Bermudes au nord-est, Floride est la bonne réponse. Bravo! Deuxième question maintenant, comment appelle-t-on le triangle dont les 3 côtés sont de longueurs différentes, quels que soient les angles? Ah, mon... Scalène, isocèle. J'en ai aucune esprit dans les mathématiques. Hein. Isocèle? Isocèle. Isocèle, c'est un triangle avec au moins 2 côtés identiques. On cherchait le scalène. Et c'est ça qui arrive, c'est que ça... On l'a appris, ça, au primaire. Ben, ça fait tellement longtemps. Oui. C'est pas quelque chose qu'on utilise tant dans la vie de tous les jours, ça. On va faire un gâteau au scalène, mettons. C'est pas... Alors, troisième question. Quel film de Xavier Dolan raconte une histoire de triangle amoureux? Lawrence Anyways ou Les Amours imaginaires? Ça, je l'ai vu. C'est Les Amours imaginaires. C'est une bonne réponse. Bravo. Il en manque juste une, encore une fois. Si le triangle est un instrument de musique, de quelle famille fait-il partie? Corde, percussion. Percussion. Je vous ai même aidé tantôt avec le mime. C'est ça. C'est une bonne réponse. Bravo. Merci, Stéphane. C'est pas voulu, mais bon. Alors, on a 1 500 $. Oui. Donc, il faut voir ce qu'il y a de disponible. Il faut dépasser les 9 500. Ça pourrait se faire en un seul cylindre. Pas de passe-passe qui sont sortis. Il y a un duel qui est sorti, mais il était inutile. Bonne chance, Alain. Eh bien, Alain! Vous allez visiter la chaise plus vite que vous pensiez. Un passeport! Oh my God, OK! Alors, Alain, se retrouve notre champion! Lève, et Mélanie revient jouer avec moi! Et là, voilà! Oh, allô! Vous pouvez vous asseoir, Alain, vous êtes notre champion maintenant. Vous avez 9 500 $. Et
Mélanie, on se retrouve. Vous échangez de place et de montant. Donc, vous jouez maintenant avec les 1 500 $. Ben oui. Et vous arrivez pour la dernière manche. Ça veut dire que les 35 minutes de la première partie sont écoulées. On va quand même jouer notre dernière manche, Mélanie. Oui. Ça veut dire que vous devez réussir la manche et choisir le cylindre qui vous permettrait de dépasser les 9 500 $ accumulés par vous, mais volés par lui. Voilà. C'est ça. Bonne chance, Mélanie. C'est bon. Catégorie chapeau. OK. Quel aliment comporte un chapeau? Champignons, brioche. Champignons. Oui. Les brioches, ils font des têtes, mais pas des chapeaux. Deuxième question maintenant. Dans quel récit retrouve-t-on le personnage du chapelier fou? Les aventures de Gulliver ou Alice au Pays des Merveilles? Alice au Pays des Merveilles. Absolument, bonne réponse. Troisième question maintenant. De quelle couleur est la casquette de Mario dans le célèbre jeu vidéo? Rouge ou bleu? Elle est rouge. Rouge, c'est la réponse. C'est là que ça se passe. Mais oui. Alors, vous avez 1 500 $. Mm-hmm. Alors, vous voyez ce qui est disponible maintenant. Le 7 500, ça serait trop peu. Alors, il faut choisir soit un 10 000, soit un 15 000, soit un autre passe-passe ou un duel gift-gift. Bonne chance, Mélanie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pouvez-vous nous laisser jouer, s'il vous plaît? C'est stressant. Pas une pause. Êtes-vous bonne en maths? Pas si mal. Pas si pire? Êtes-vous capable de faire 15 plus 1 500? Ça, c'est